Bonjour les amis du potager de Gaïa. Je vous retrouve aujourd'hui pour planter une plante très florifère qui attire les abeilles et les papillons au jardin et qui va nous aider dans notre cas avec nos deux poiriers de chaque côté et bien d'aider à la pollinisation des fleurs des poiriers. En même temps, cet arbuste est du plus bel effet. Et celui-ci s'appelle le Spirée ou alors Spirae Thunbergi pour celui-ci. Je vous invite tout de suite à ce que nous nous y mettions. Nous allons planter. C'est parti. Donc nous allons commencer, comme nous l'avons déjà commencé à le faire, à creuser un trou bien profond. La terre est déjà bien meuble, mais nous allons y adjoindre du sable pour faire que le sol soit bien drainant. Nous allons donc y ajouter du sable ainsi que du terreau. Nous allons faire une petite butte au milieu de façon à ce que la motte du spiré que nous allons planter, de la gamme Thunbergi, soit tout juste à hauteur de terre pour ce qui est du collet. Parce qu'attention, il ne faut pas non plus l'enterrer, ce qui ferait pourrir notre arbuste. Voilà. Ça, c'est la première étape, bien travailler le sol en profondeur, de manière à ce que la plante, enfin plutôt l'arbuste dans notre cas, prenne bien. Mettre un peu de sable dans le fond et ensuite mélanger du sable ainsi que du terreau à la terre que nous avons enlevée. Voici la première étape de fait. Alors la deuxième étape est toute simple. Puisque nous sommes allés chercher de l'eau de pluie dans notre cuve 2000 litres et cela va consister à faire tremper la motte de notre spirée dans de l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Voilà, hop, on enlève la petite étiquette. Voilà, on va la garder en sachant qu'on a pris les mesures avant pour être bien certain. Ah, on a fait sauter quelques fleurs pour être bien certain donc qu'on aurait la place entre les deux poiriers. Parce que l'important en fait quand on plante un arbuste ou un arbre, c'est de se projeter en avant. Parce qu'aujourd'hui, cette spirée, je dirais, est petite. Hein. Mais il ne faut pas oublier que, à maturation, celle-ci fera 1,20 m de large sur 1,20 m de haut. D'où l'importance de savoir la place qu'elle prendra à maturité. Puisque quand les plants sont vendus, il est assez rare quand même qu'il soit à taille adulte. Donc là, comme ils avaient déjà trempé auparavant celui-ci, celui-ci dégage quand même quelques bulles, hein. Enfin à peine. Hein. Donc normalement, elle devrait donner. Quand même la laisser tremper un petit peu et on va aller chercher le petit bâton qui nous sert de manière de repère pour la planter tout juste à ras du sol pour éviter d'enterrer le collet. Allez, c'est parti.
Pendant ce temps, nous allons procéder au mélange en ajoutant du terreau. Ainsi que du sable. Voilà. Et nous allons mélanger le tout. Pour rendre ce mélange bien homogène et bien drainant afin de pouvoir planter notre spirée en milieu adéquat. Alors la terre est plus légère de ce fait-là, également l'eau pénétrera plus facilement celle-ci plutôt qu'éventuellement rester en surface. Ça permettra également aux racines de mieux pouvoir se propager, alors que dans une terre qui serait dure, ça est beaucoup plus difficile. Voilà. Bien. Bien. La spirée ne fait plus de bulles. Alors, le spirée ou la spirée, en tout cas. Hop. Une chose est certaine, c'est que quand celle-ci est comme il faut, eh bien, la motte s'en va toute seule. Voilà. Bien. Alors, on gratouille un petit peu les racines. Alors, vous voyez, c'est un système racinaire qui n'est pas gros, hein. C'est un chevelu très fin. Donc, on repère tout de suite si elle est comme il faut. Ah, il faut rajouter un petit peu de terre, puisque sinon le collet sera enterré. Hop, 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 ça devra aller. On revérifie. Voilà, c'est parfait. Hop. Et donc voilà, c'est bien. On garde l'eau pour arroser au-dessus lorsqu'on aura refermé le trou. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre que celle-ci se développe harmonieusement, à la pailler et à la laisser se développer tranquille.
afin qu'elles nous attirent nos chers amis, les pollinisateurs et les jolis papillons. Je vous dis à très bientôt sur le potager de Gaïa 02. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'actionner la petite cloche pour être averti des prochaines publications. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.